Donc, en plus de protocole, moteur, cellule et hélice si nécessaire, donc j'ai ce qu'on appelle le CN, de consigne de navigabilité, qui lui, c'est l'organisme de sécurité, donc nous c'est l'OSAC, donc l'Europe, qui va me donner des choses précises selon l'incident, un accident qui a eu lieu sur un autre avion de même modèle, qui va sortir en consigne de navigabilité, qui vient améliorer le système de sécurité sur notre avion. Et en plus de la consigne de navigabilité, qui va me déclencher ce qu'on appelle le service bulletin. Le service bulletin, c'est ce qui va nous permettre de savoir si on est concerné ou pas sur l'avion, et en nous donnant en compte précisément comment faire l'item demandé. Donc ça, c'est en fait c'est un classeur qui j'ai classé quasiment tous les services bulletins concernés au type d'avion Robin. Donc ici tous les SB, à chaque fois il y a des numéros qui sortent des mises à jour. Nous on voit bien applicabilité, sur quel type d'avion c'est, etc. Et on voit les raisons du pourquoi on s'y est tombé. Et puis on applique les choses. Ah oui, ça arrive souvent. Hein. Ouais. Bah, justement, c'est le rôle premier d'un suivi de nav, qui lui doit toujours aller voir le site pour voir justement qu'il n'y a pas eu de mise à jour, qu'il n'y a pas de choses ajoutées, des choses annulées, etc. Donc ça a toujours eu à chaque fois. Et son rôle, lui, c'est justement de venir chercher et savoir. Et souvent, les SB ils sont accordés avec un CN, et des fois, c'est que le SB. Mais c'est toujours la même chose. Là, c'est tous les CN concernant à appliquer au fur et à mesure. À chaque fois, il y a leur titre. Pour n'importe lequel, et là, on titre. Donc ici, si on prend par exemple le Cardex. Si je prends le Cardex ici. Donc sur la partie donc cellule, ici, il y a le numéro référence des scènes. Donc à chaque fois, sachant qu'il faut tout appliquer sur une visite, donc 2000 heures, 6 ans, il faudrait, par exemple, si je prends cet item-là, corrosion des renforts de fuselage, il faut que j'aille voir le CN Fox-1984-071, R2, donc révision 2. Donc à ce moment-là, j'y viens sur le CN, j'y viens chercher ma référence, je le prends, je lis mon CN qui, lui, va me faire peut-être aller voir le SB, et le 2, quand j'applique le SB et le CN, à ce moment-là que la tâche est effectuée, là, je viens signer donc mon item demandé par Cardex. Mais ça, c'est le Cardex qui me donne. Là, sur le protocole, il va me dire d'aller voir la zone, mais l'ensemble des choses à faire dans la zone, s'il faut, c'est le CN et le SB à faire. Voilà.